côté Radio Maalif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue, les amis, dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Ma'alif avec Mohamed Oujama, professeur d'histoire à Marrakech. Bienvenue à vous, aussi Mohamed. Merci, mon ami. Vous avez une mission extraordinaire aujourd'hui, celle de nous parler du Mechzen. Alors. Est-ce que vous êtes prêt pour ça euh, Oui, pourquoi pas. Ça rentre dans le fin fond de mon métier, c'est dire parler de <laughs> l'histoire du Maroc, l'analyser, l'expliquer, l'expliciter, l'enseigner. C'est-à-dire que c'est ma mission. Eh bien, vous êtes devant cette mission avec un sujet euh, le mot Je merci. vous remercie. Je vous remercie. Alors. Le marxisme, il existe déjà, puisqu'il y a des gens qui existent, oui. qui n'existent pas. Ici, le marxisme est une réalité historique et sociologique et anthropologique. Il n'y a pas à discuter un mot. Tous les Marocains, même, je crois, <laughs> qui, ont, qui ont deux ans ou trois ans, ils vont parler du marxisme ou, ou du moins entendre le marxisme. Alors, le marxisme, le c'est une notion typiquement marocaine qui n'existe nulle part, même chez nos voisins. Parce que, à mon avis, l'arrivée des Ottomans, donc l'occupation turque-ottomane, à la fois de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, etc., ont gommé plus ou moins toute cette culture de chez nous. Ils ont étalé une autre culture, qui est de la culture, euh, disons, d'origine militaire, puisque les, les Turcs étaient des tribus militaires, guerrières. Ils ont une autre culture. Alors le mahzène, le ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, d'extravagant qui est venu de loin. Ce n'est autre que la traduction du terme Amazir, Agadir. Agadir dans le sens où c'est là où les gens déposent tout ce qui est cher et ce qu'ils aiment beaucoup, et qu'il est sous une garde, une tutelle collective. Dans le SUS, jusqu'à aujourd'hui, il y a Agadir et un peu partout, heureusement. Des dépôts, une sorte de banque. Une sorte de banque avant la banque, la banque, la banque alimentaire. Pourquoi Parce que pour les anciens... Il y a une bonne gestion de l'espace. En deuxième lieu, ça serait très facile de bien défendre un agadir avec une armée de 10 hommes, 15 hommes, que de défendre chaque maison si on en dépose le blé, la laine, et tout ce qui est cher, ce qui est les biens précieux. Ce qui est, les biens précieux, ce qui existait peu, ce qui faisait la vie des gens, ce dont dépendait la vie des gens au Moyen-Âge. Alors, ce terme agadir, il traduit donc un bien collectif, c'est d'abord un bâtiment qui n'existe que dans le sous. Mais dans la langue Mazir, ça existe chez les Sanhajes du Moyen-Atlas, c'est Ajdir, c'est le pays de Mohamed Zayani, et c'est la République du Rif, il a Ajdir comme capitale. C'est-à-dire qu'il y a toujours Un ce, terme, ce terme générique un peu partout. C'est-à-dire que, si tu aimes bien, il, il a un sens collectif. C'est quelque chose qu'on peut défendre. Alors, pourquoi il est devenu le synonyme du pouvoir central Tout dépend des Almohavides. Donc, les Almohavides, ils ont créé à Marrakech la grande mosquée, c'est la première Kutubia. Donc, c'est la religion, ça appartient à tout le monde. Et un palais de gouvernement. Le palais Ali et le Hajar, puis le palais Libnius. Et à côté, il y a le dépôt des biens publics, c'est-à-dire des, des impôts que donnent les Marocains, les, les musulmans du monde. La Banque du Maroc. La Banque du Maroc, et où il y a une garde prétorienne des esclaves. Jusqu'à aujourd'hui, à Marrakech, une des principales rues qui change de nom tout le temps, il s'appelle le Babaginaou, tout simplement. C'est Aznaqt aujourd'hui ça fait le prince, et les princes, les princesses, je crois le prince s'appelle aujourd'hui. Alors ce terme générique, il va donner donc, il va dépasser ce peu de choses, et une traduction du terme Azir vers l'arabe, le donné le dépôt. Mais là on parle d'un lieu physique. Oui. Oui, bien sûr. Et dans les grandes maisons des grands seigneurs du Hototlas, il y a le ça c'est l'arabe, c'est l'impôt mexicainien. Qu'on collecte et qu'on dépose par la suite chez le magasin, quelque part, soit à Marrakech, soit à Fas, soit dans n'importe quelle ville. Alors, ce magasin, donc, c'était un phénomène à la fois qui signifiait le bien public, l'impôt des musulmans, qui va être dépensé au nom des musulmans, soit pour défendre l'Andalousie, parce que c'était ça le problème au moment, bâtir Marrakech, entre parenthèses. Ben quand il a construit et la de Marrakech, à un moment donné, le Fouqaha lui a dit Tu as occupé la terre des autres.

Alors ce magasin va évoluer donc. Surtout le magasin, autant des almoravides, c'était un magasin horizontal. C'est-à-dire que tous les chefs des tribus des Sinhaja et certains des Masmoda étaient au même niveau. Ben tashfin n'est que amir musulman, c'est-à-dire un chef suprême, une sorte d'adjudant pour une troupe ou une sorte de commandant. Donc, c'était plus ou moins égalitaire, c'était un magazine égalitaire et égalitariste. Ça revient à la doctrine du moment, à la culture des gens du Sud, cest à les du Sud et mtuna les Lemtunidik Mais à partir du moment où c'était dynastie, je crois même que c'était l'erreur, l'erreur de vouloir instituer un pouvoir d'une façon horizontale et non pas verticale comme si la logique politique jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir est toujours vertical, ça vient du haut vers le bas, ou du bas, dans les démocraties du bas vers le haut. Alors les al et principalement le frère Ibn a allaient changer la donne, parce qu'il a reconverti la structure du pouvoir maghrébin, du Marocain, donc euh, tribal, en une sorte de pyramide, où il y a lui-même en haut, haut c'est l'imam al même le enfin il s'est donné le titre de Massom, ma l'impeccable, l'impeccabilité du chiite. Et en bas, le chef des armées et le chef de l'État qui, qui allait devenir Abdelmoun. Et en bas, il y a toute une hiérarchie de tribus selon l'arrivée les Almohades d'abord, les Almohades, puis les, les Msmondas, puis les étudiants lui-même du moment, c'est-à-dire Talaba c'est ceux qui allaient devenir les cadres de l'État et en bas et les restes des musulmans c'est-à-dire en vrac, en vrac. Donc, mais c'est pyramidal, c'est écrit ça oui bien sûr, Bintou dans le Mouchida il nous a décrit que tout ça la hiérarchie, disons entre parenthèses la structure que l'Union allait adopter pour le parti hum, il, a, il, a, il a été créé par Bintou Murtel, ici même c'est-à-dire qu'il y a un chef, il y a un chef suprême et puis toute la hiérarchie et la décision vient du haut puisque l'AESMA, c'était la du chef le met en dehors de l'erreur ou autre ouais. chose, alors ce machin allait donc devenir une vraie structure à la fois lourde et qui consomme. C'est devenu une structure qui a quitté le monde rural et les tribus pour s'installer principalement à Marrakech et puis dans d'autres villes où entre eux jusqu'à aujourd'hui le reste des dynasties soit les structures caïdales, soit les structures sultaniennes, soit les structures militaires. Alors le machin donc est à la fois. C'est la notion du Marocain pour dire le bien public. C'est l'espace qui appartient à tout le monde. Donc, c'est un espace profane. Il n'est plus sacré. Il n'est pas sacré. La mosquée, il est sacré. Le palais impérial ou le palais sultanien impérial. Le terme sultan, c'est sûr que c'est venu après. Alors que le, le marzine, il n'est pas sacré. Il n'est pas sacré parce que c'est l'espace matériel. C'est les impôts, c'est la collecte, etc. Disons même qu'il y a de la violence. Oui. Il y a de la violence. Donc, chaque fois qu'on parle de ce qui n'est pas sacré, donc il y a de la violence et même est légale et autorisée. Ce marché va continuer donc avec les Mérinides. Les Mérinides qui étaient des Zneti, donc qui sont venus de l'Orient, donc la moitié de l'Algérie, Oujda jusqu'à Taza d'aujourd'hui, etc. Donc, ça s'appelle les euh, Zinaties. en ça veut dire les éclaireurs, ceux qui, euh, qui vont chercher des pâturages euh, verdâtres et verdoyants, donc ils bougent tout le temps dans l'espace. Alors que les Massaméda, c'est les Agueriens, les semeurs, d'accord, les sédentaires, les sédentaires. Et par la suite, c'est devenu les sondaires. Alors que les Znag, c'est les habitants des oasis. qui a donné aujourd'hui c'est l'oasis. C'est un espace désertique où il y a le vide autour et qui est plus ou moins protégé. C'est ça Taznacht d'aujourd'hui. Et partout où les Allemands sont son passé, ils ont laissé Taznacht, 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 qui a changé de nom et qui ont donné par la suite. C'est de là que viennent les noms de... Ce ne sont pas des noms génériques, mais des noms de métier, beaucoup plus des qualificatifs. On qualifie selon. La nature de leur production Et ça n'existe pas en leur temps. Et c'est par la suite, Ibn Khaldun, qui a résolu tous nos problèmes, cest qui a fait cette sorte de synthèse entre la nature, de la, de les bases productives d'un groupe et puis sa nomination. Avant lui, ça n'existe pas chez le Beïdak chez Ibn Abdelmali, qui est qui ont traité les questions. Alors, le Makhzil Mérinide comme j'ai dit, Khaldun lui-même, qui était leur écrivain, leur ministre, il, a, il parlait des Mérinid en disant que quand ils ont conquis Fès, ou donc, Ce sont des gens qui vivaient dans une vie pastorale entre les steppes de l'Orient, la halfa, euh, comme on dit aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins jusqu'à un temps récent, maintenant il y a autre chose que la halfa. Ce sont des gens qui produisaient une sorte de mouton qui existe toujours au Maroc, ce n'est pas de Mène, mais le mouton du Benim le mouton Zinati. Ces gens qui n'avaient, ben ils disent, même, elle a mis jet d'idou, fil d'aulati, de Heb ?» Ça c'est ben C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rénové l'État et n'ont pas rénové la doctrine. Donc ils doivent réno rénover, ils doivent s'imposer. Donc c'est une soldatesque. C'est l'équivalent des Turcs en Orient, c'est des Saljoukites, ce n'est pas des gens de la culture. C'est pour cela qu'ils ont, à Fès, ils ont essayé d'adopter toutes les lits Foukaha, Adreha, c'est eux qui nous ont créé le Dahir, c'est eux qui nous ont créé le registre des idrissi, c'est eux qui nous ont créé la nouvelle Médine de Fès, une ville profane, alors que l'ancienne ville va, doit rester. Etc. Ce que france ce sont des gens qui se sont comportés comme une sorte de protecteur. Ils ne sont pas des rénovateurs, quoiqu'ils ont laissé quand même beaucoup de choses après, les Médrsah, etc., etc. Donc ces Mérinides qui arrivent à Fès, impressionnés par la qualité de la ville, de vêtements portés, etc. Tout, tout. Et, et euh, ils sont perçus aujourd'hui comme comme des gens qui ont construit une vraie administration, c'est ça Oui, oui. Les mérines, ils ont créé l'administration. Euh, c'est ce que nous appelons aujourd'hui du ministère. Il s'appelle dans temps le bniqa. Le bniqa, c'est venu après. Mais avant, on disait diwan, comme il y a aujourd'hui diwan al madalim Diwan, c'est un terme persan, qui veut dire le siège du, 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 du chat, tout simplement. Le divan, comme en psychologie, donc c'est une chaise, c'est un fauteuil, etc. Mais par la suite, diwan al cest c'est-à-dire c'est la cour royale. Ils ont créé la cour royale parce que les Mérinides, ils ont perdu l'Andalousie. En même temps ils ont gagné toute une population de lettrés, d'artisans et parfois de riches d'anciens riches commerçants. Donc quand ils commencent à débarquer dans les villes du nord, Tétouan et Tanger puis vers l'Algérie, euh, le problème disons d'organisation d'écriture de tout ça s'est résolu d'un seul coup. S'est résolu d'un seul coup. Alors que pour les Almoravides, les Almohades il a fallu former d'abord l'élite. Il a formé toute une élite, c'est ça dans le sens comme Bentoumert a créé Tinmel qui veut dire en tamazight l'école, tout simplement, mais montrer ou faire apprendre ou expliquer. Là, ils ont récupéré des, oui, des, des TINEMEL, C'était l'école des cadres, d'accord. Bintoumurt formait les cadres de l'état au parce qu'il a, il a disparu avant, avant que euh, ses disciples prennent le pouvoir à Marrakech. Il a créé les cadres de l'état comme les partis politiques forment leur jeunesse et. Dans un sens, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient du RIF, il est formé à Marrakech, il devient gouverneur du Sousse. Quand il devient gouverneur du Sousse, donc il perd de son poids tribal, des liens tribaux, donc il va représenter l'État, il va représenter le Marrakech, non pas les intérêts de la tribu. Quelqu'un qui est né dans le il est formé à Marrakech, il va gérer Fès, donc il va être neutre. C'est l'équivalent du préfet créé par les Français par la suite, depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution. Le préfet, c'était le représentant de l'État, c'est lui qui doit faire. Alors les Mérinites, pour revenir à leur situation, ils ont géré ce qui reste, parce que l'empire a déjà disparu. La Tunisie, il est prise par les Hafsites. Donc il n'y a plus de machines. L'Algérie, il y a des petites principautés par-ci par-là. Benizéennes ici, Benizian, qui sont tous des nazis de la même famille. Ce qui fait l'espace est devenu beaucoup plus restreint et les impôts deviennent beaucoup moins conséquents. C'est tout à fait normal. Ce qui Logique. fait l'État, c'est à ce moment où l'État était obligé de devenir lui-même l'agriculteur cest l'État, il va utiliser sa tutelle sur la terre, il va la donner en roi, en homo, c'est la dénomination de partage du, du labour jusqu'aujourd'hui au du Maroc, qui date du fin 14e et le 15 siècle. C'est à cest l'État vous loue, vous donne, vous charge de faire, parce qu'il faudrait euh, les natifs sont minoritaires dans un espace où il est peuplé en majorité de ce les Pour équilibrer justement pour équilibrer c'est mérites qui ont permis l'arrivée de beaucoup de tribus arabes dans le Maroc d'aujourd'hui. Il y a une certaine, euh, Benahildou lui-même, euh, qui était vivant et qui n'était pas tout à fait d'accord. <laughs> il a dit, voilà... Ces tribus bédouines, ils ne peuvent pas s'entendre avec les sédentaires, ni avec ceux qui ont une autre culture, Je ne dit pas le terme culture, alors, non, 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 non. alors que les Arabes, les bédouins venus de l'Arabie, sont proches des ils vivent du chameau, de la ils sont des pasteurs généralement et des commerçants. C'est pour cela qu'il y a, vous voyez, un peu des poches de petites tribus arabes par-ci, par-là, dans le Shaoui, les et tout ça, ça date depuis ce temps. Alors ce marxisme va évoluer, donc. donc il va importer. Mais, la... mais, oui. mais dans quelle logique il c est C'est euh... un phénomène de quantité, c'est-à-dire devenir au moins fort à des fois d'être nombreux. Parce que c'est ça la racine. Vous êtes étranger, vous êtes moins nombreux. Donc on va vous exterminer et éliminer. Par contre, si vous trouvez, ça je l'ai écrit dans un article, où, justement à partir de l'arrivée des Arabes au 14e, 15e siècle, il a fallu parfois 150 ans pour l'histoire, l'économie et les structures du Maroc pour absorber. Ça Ce flux de population qui n'était pas natif. Mais on parle de combien de personnes quand on vous dit des tribus arabes? C'est si dans l'ordre de 150 000, de, de 100 000 dans une population qui n'est pas très loin de 2 millions, 2 millions et demi. Donc c'est oui. le sud de Saint-Laurent, touché. Qui vient après le, le retour des Andalous. Donc ça fait oui, deux, oui. deux chocs. Et les Andalous, on les a considérés comme étant la deuxième élite parce que le premier élite, il est parti en Europe ou chez les Ottomans, en Orient. C'est les mal disait dans un de ses discours. Il parle du de roi d'espagne mais mm. il dit « sultan biladahu parce que les juifs et les migrants ont apporté de l'or, ont apporté des mythes. ils ont montré… Il a enrichi oui, de, ils, ils ont va. enrichi Constantinople aujourd'hui. Donc c'est 150 000 arabes, disons. Qui, bah, ouais. Oui, oui. Ce n'était pas facile à valer pour une économie très rudimentaire. Mais surtout, si vous mettez en perspective la population de l'époque, ah, oui. vous avez parlé de 2 millions de Marocains. Enfin, Généralement, jusqu'à aujourd'hui, pour les sociologues, il y a un sud de 2%, pas plus. Quand vous arrivez à 10% de la population, donc c'est 5 fois le, le sud de Tolérance. Mmh. Donc il va y avoir euh, un choc. des cassures quelque part, parce que la terre, les moyens de production, c'était toujours les mêmes. Les techniques de production, c'est toujours les mêmes. Les espaces découverts, c'est les mêmes. Les Marocains n'ont pas essayé de reconquérir l'Andalousie, des fois justement des problèmes internes. Et ils n'ont pas développé le commerce international parce qu'ils n'avaient pas de flotte militaire pour la défendre. Au moment où c'est le début de ce qu'on appelle par la suite les grandes découvertes, c'est déjà les prémices, déjà les prémices. Alors au moment où l'Europe sort de sa torpeur du Moyen-Âge, le Maghreb, c'est l'état Maroc, enfin, marocain, le marxisme marocain, essaye de se protéger, il se ferme, il se, ferme, il se protège de, à l'intérieur de ses frontières. Il quitte même les, les, les côtes. Les Marocains quittent les côtes aussi plus tard, c'est au 15e, 16e siècle. Les Tukalans ont quitté Esmour, ils ont quitté Jedida, ils ont créé Tnin el qui existe aujourd'hui. Ils ont quitté carrément la côte parce qu'ils ne peuvent pas la défendre, ils ne veulent pas être sous la tutelle des chrétiens. Ce qui fait qu'il y avait un magasin qui n'arrive pas à gérer, à trouver déjà une certaine euh, obédience, une certaine force pour gérer tout l'espace. Euh, généralement, si je parle ici de la région du Sud, quand les Mérinides ont débarqué à Marrakech, ils l'ont pillé, l'armée. Mamoun Zinati, le général, il a pillé Marrakech puis il est allé jusqu'à timel pour brûler les tombes des sultans euh, des Almohades et à défaut de pouvoir tout faire, il a canalisé la rivière c'est el-Wenfis pour balayer carrément les sépultures des sultans ce que fait il y a une certaine violence dans hein. Oui Oui il y a une certaine violence politique dans, dans l'acte Le magasin Mérinide, il s'est développé ça, Ce qui fait les gens qui sont venus pas, quoique qu -ce c'est un zénith qui a créé ou j'dai même t'le mais face et maraquais c'est autre chose, c'est supérieur, c'est disons que la décoration, la population, la culture existante etc. Et ce que fait ils ont géré beaucoup plus l'espace urbain que l'espace rural. Ce que fait que la ruralité est carrément délaissée au profit des villes. C'est pour cela qu'on trouve euh, des monuments à Rabat, à Salé, à Marrakech, il n'y a que Madrasa, euh, à Marrakech. Mais à Fès, il est presque rénové, Tietouan et vers l'Oriental. Ils étaient attirés beaucoup plus par ce qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire l'architecture, le bâtiment Et, 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 les les bâtis, villes, et les, le bâti. Alors ce magazine, comme la tribu a perdu un peu de son poids et même de son expérience, il y a un texte, je crois, de l'Ifrani, qui parlait de la naissance de ce qu'on appellera par la suite tassouf l'émir de sophisme marocain. Quand Beni c'est les cousins des Beni Merid, n'arrivent pas à gérer la situation, ils étaient cloîtrés dans la ville de Fès. La population, c'est les gens, les gens, ils avaient peur de ce qui se passe parce que pour les musulmans, il faut qu'il y ait un imam pour les musulmans marocains. ولا بد من وجود اماره وامامه فذلك دو ميم دو لا derniere constitution marocaine هي لا notion de imarat al mu'minin ce النص الملكي الى اخره كذا الامامه ثم الاماره الامامه هي غير الصلاه الاماره هي كل شيء السلطه الاماره اولا كاركتير من ياخذ الامر من سيده هذا هو الامير مأمور الامير Mais l'émir, l'émir c'est une sorte de lieutenant. Mm -hmm. Si on veut traduire l'amir ou ouais, le lieutenant Il explique, il gère, etc. etc. Alors, les mérites ont donc développé le caractère du mahizzen par l'écrit, par le dahir, et par la suite par les écoles. Ils ont formé une nouvelle élite, une élite mahizzenienne. C'est-à-dire les juges, les fouqaha qu'on appelle les ulama aujourd'hui, il enfin, y un peu partout. Ils ont dans les textes historiques ce qui fait ils se sont consacrés beaucoup plus, surtout la deuxième et la troisième génération du sultan Mérinide, ils ont fait beaucoup plus pour euh, la culture religieuse et la culture livresque puis en leur temps quand même on commence à refaire le Karouine à faire beaucoup de choses, etc. Alors pour revenir au magazine, c'est donc l'échec il faudrait donc une formule le texte disait, c'est devant la catastrophe qui se passait au XIVe, e siècle on a perdu Sbta, on a perdu Melilla euh, on a perdu... Euh, L'Andalousie. Euh, euh, maintenant, ils sont passés sur la côte sud, chez nous. Quoi. Ils s'installent sur les côtes marocaines. Ben el-Jazouli, le, le grand imam du moment, donc, il a expliqué explicitement « Nous sommes l'ummat du djihad et le djihad ?»« Nous sommes l'ummat du djihad, donc la défense, ou le djihad ?» Donc, expliqué autrement. Les disciples ont compris qu'il faudrait une nouvelle formule pour le pouvoir et même pour la piété. Alors il nous a laissé, la c'est le texte que disait mm. la plupart des Sophies marocains, principalement. Mais d'autres ont pris la deuxième tranche de la phrase, le djihad. Alors le djihad, il faudrait donc un chef, un leader dans le Sousse, où les Portugais ont débarqué à Agadir, ils sont allés jusqu'à Cap-Guerre dans les régions du Sousse. Il y a un recul de population, ils cherchaient un leader à caractère soit politique, soit militaire, soit religieux. Pour, pour, les mener, pour, pour les mener, pour les mener, pour les donc le Marocien n'existe plus et les Chansalans, les restes sont Chansalans. Alors il faudrait autre chose. Et c'est à ce moment qu'on a découvert ce qu'on qu appellera par la suite les Saadiens. Les Saadiens étaient dans la région du dans de Jidre, le on leur a écrit, rédigé une généalogie plus tard, donc il n'existait pas à mon avis auparavant. Mais au départ c'est un souci qui allait être le, le, le leader, mais il est vieux, il est âgé. Le Kawi, il était âgé.

C'est-à-dire que les populations sont venues chercher un leader charismatique de la Zawiyah vers le trône, vers le pouvoir. Et c'est ça les Saadiens et les Zahouïtes par la suite. Le marxisme donc, allait être mélangé un peu aux traditions et cultures ottomanes puisque les Ottomans ont aidé beaucoup les Saadiens à s'installer contre les Européens. C'est de là que vient pas mal de termes. Qui existe jusqu'à aujourd'hui, le, le, le Pachal, le terme sultan, le Pachal, le Bachalik, etc., etc. Nous avons ici à Marrakech de Bdebashi, nous avons le rituel du Marzen qu'on connaît encore aujourd'hui. La rituelle, c'est-à-dire, oui, c'est le Mantos Wifa qui ont mélangé à la fois le rite de danse ou sur avec le politique. Et c'est pour cela qu'on parlait d'une dynastie chérifienne, c'est-à-dire il y a quelque part de la baraka dans le phénomène. Il y a quelque donc part on a de la baraka. un ces... Oui, il faut, il, il, faut, il faut les... Les... un côté oui, un oui. peu. Spirituel. On les a séparés à un moment donné, par la force des choses. Maintenant, il faudrait les, les réunir. Et à ce moment, ce qu'on appelle les chefs de tribu, le makhazine de Saadia, va nommer le, de tribut, Qaïd, Qaïd, le chef de tribu Kaïd. Kaïd, le chef de oui, la région. Oui, oui. Il s'appelle les Amhar, Donc, le chef, il gère l'espace selon les issues et coutumes tribal. Mais maintenant qu'il est devenu le représentant du sultan, il doit gérer par le Shra. Alors le qaïd, il est entre deux feux. S'il use du Shra, il va provoquer la tribu, les tribus. S'il use des usus coutumes, c'est-à-dire israf, araf, il va sortir de l'islam, sortir un peu de la logique de l'islam. Il y a toute une phase de transition <laughs> qui a duré presque quatre siècles jusqu'à l'arrivée des Français pour ce phénomène. Et qui n'est pas fini, Ou, à mon avis. Qui n'est pas fini <laughs> jusqu'à aujourd'hui, où le marzène Gère le superficiel. Il gère le superficiel. À un moment donné, on a créé des tribus marzène, on a créé des tribus Neiba, on a créé des tribus guiche, c'est pour se diviser le travail. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie de pouvoir et d'obéissance. Le mouelet ou le oulet. le mouelet ou le oulet en arabe. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie. Mais tout ce phénomène n'a pas résolu le problème, puisque les tribus qui géraient l'espace, s'ils refusent de donner, c'est la guerre. S'ils donnaient plus ils vont s'appauvrir. Ce qui fait qu'il faudrait tout le temps un équilibre. Un équilibre entre ce magazine qui nous représente, où il y a beaucoup de choses quand même, qui nous défendent de temps en temps. Mais à un moment donné, les gens sont, il y a un, comment on dit en latin, où le magazine ne devrait acquérir que ce qui est légitime et légal. C'est-à-dire, Mais au moment des crises, il faut dépenser, il faut donner plus. Soit que les tribus sont riches, ils donnent, soit ils ne donnent pas. Et c'est le début des guerre Ce qui fait qu'il y a un, un, bon, un bon moment de temps, du siècle, du siècle libère, globalement, où la tribu et le mahzan, va et vient. Si le va et -vient, si vient, soit que la tribu il est forte, donc, il considère le représentant, oui, il représente le sultan, le, le représentant du Mahazen comme un, une sorte d'ambassadeur, pas plus. Mais quand il s'affaiblit ou il y a des divisions, le magasin pénètre. Le Mahazen pénètre jusqu'à, je crois, c'est le phénomène, c'est à partir du Ismail qui a fait plus ou moins la carte du Maroc avant l'Ioté. L'Ioté, il a géré par la suite juste la carte de Moulay Ismail. C'est-à-dire a divisé les tribus, il a planté des tribus arabes au milieu des tribus Mazir, il a fait bouger les tribus du Sousse vers Fès, vers Meknès, Simjad, etc., etc., qui, qui n'ont rien à faire là-bas. Et il a cassé ce qu'on appelle la continuité de l'espace, de la culture et des coutumes tribaux, puisque maintenant c'est un mélange. Et comme il y a généralement des contradictions entre les divisions des choses, les gens étaient obligés de se référer à Shra. Donc, sera pénètre de plus en plus, à défaut d'eux, il devient la loi suprême. C'est comme ça que le Makhzin s'installe petit à petit. Il s'installe comme étant le représentant de Ch'tra, c'est-à-dire de l'islam, parce qu'il gère l'espace au nom de, de la doctrine, de la religion. -là. Il s'installe chaque fois qu'il qu arrive à pénétrer. Mais il faudrait vraiment des crises, des régions plus ou moins bédouines ou la vie pastorale, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ou, ou, ou du moins jusqu'aux années 60-70, on ne sent pas beaucoup la présence du Makhzin. C'est l'occasion du Moyen-Orient. Où la population va qu'à ses occupations entre Midlit jusqu'à al jusqu'à Zemmour, etc. Donc, le Makhazen, euh, ils sont pendant l'été ici, les verts, ils sont là, et là. Par contre, dans les régions où les populations sont fixes, comme le cas du Sousse, du Rif, etc., le Makhazen de la facilité à pénétrer. Alors, les tribus de l'Éplaine, n'en parlons pas, ce qui fait, ils n'étaient pas tout à fait Makhazenien. Soit, ils sont affaiblis, ils ne peuvent pas se défendre ou refuser. Soit qu'ils sont fortes, ils commencent les révoltes, c'est le cas de jusqu'au jusqu'au e siècle, jusqu'à Moulay Abdelaziz, Abdel c'est le cas de, de Toulouse sous Moulay Ismail, etc. C'est ce que fait le Mohsen, il est à la fois le, le fils de la doctrine musulmane d'un côté, mais le fils de l'élite tribale. L'élite tribale, à un moment donné, il n'a pas pu tout à fait couper le cordon ombilical avec la tribu, parce que c'est son origine et c'est sa force, ni accepter à gérer, parce que quand même, l'élite, quand tu deviens Alim, ou tu deviens Hajj, ou tu deviens Ka, donc tu passes les critères tribales, tu t'installes dans une autre aristocratie. Il y avait la religion plus la tribu, et les grandes écoles nous ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui une certaine aristocratie marocaine qui est liée soit au shérifisme, soit aux vieilles armées, ou les lal le etc., soit les grands chefs de tribu qui a donné ici la suite de tout ce phénomène c'est les grands seigneurs de la fin du 19e siècle du 20e siècle les le glaouis glau... les glaouis les c'est une façon c'est des principautés au nom du Makhzen mais avec un esprit tribal au nom du Makhazen, disons même au nom du Protectorat par la suite. Mais dans un esprit, et dans un espace typiquement tribal, hein? j'ai des documents pour l'espace d'Iglaoui, etc., où il y avait un permis de circuler. Il y avait un permis de circuler. Quand tu veux traverser de Marrakech jusqu'à Tinerre, tu dois presque passer par des lieux pour qu'on sache qui tu es. Soit à Itourir, soit à Taznacht, soit au Zad d'aujourd'hui, soit à Boumal, soit à Tinerir. Pour résumer, le Makhazen. C'est donc un phénomène qui, qui est théoriquement, Il devrait disparaître avec le protectorat. Il devrait disparaître. Pourquoi Parce que la France, quand il a conquis l'Algérie, il a tout détruit. Parce qu'ils n'ont signé aucun contrat avec quiconque, ni pacte, ni etc. Ni défaite, ni trêve. Ce que fait le genre avec les lois françaises. Quand les Français ont débarqué au Maroc, avec toutes les difficultés que tout le monde connaît, en 1912, la France doit vouloir à tout prix occuper le Maroc, voisin de l'Algérie. Parce qu'il n'acceptera jamais notre puissance européenne à côté de sa puissance de, 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 en Algérie. Donc ce n'est pas les richesses du Maroc et tout ça, c'est faire les, la grande Afrique du Nord. C'est pour cela qu'on parlait de L'IOT l'Ioté l'Africain, c'est celui qui a fini la géographie. Alors ce phénomène devrait donc finir, mais le texte du Protectorat protège le sultan. Le sultan c'est le chef du marxisme. Si tu protèges le chef du Protectorat qui est le sultan, donc c'est la tout Donc, c'est toute l'élite tribale, toute l'élite, l'oligarchie makhzanienne qui existait. Ici, jamais vous regardez un peu les photos de 1912, 13, 14, vous allez voir des personnes que vous allez constater, vous allez reconstater leur existence en 1956, au moment de la signature du traité d'indépendance. Ils étaient déjà là. là. Euh, en 1912 en 1904, euh, 56. le Kteni, il, il était là, il était là. Il d'autres élites, une élite euh, d'origine tribale, une élite, un représentant du pouvoir tribal, un, un représentant du tribal religieux, le Kteni, euh, le Haïl Kteni, etc. Ce que fait le c'est un phénomène, je dirais, pas ambivalent, qui est issu, il est issu de la tribu, il a gardé l'esprit tribal avec comme de la mayonnaise avec un mélange de l'islam et des issues coutumes, mais avec une certaine marocanité, où les gens se reconnaissent à un moment donné dans une structure fictive, qui ne touche pas, jusqu'à dire que euh, le marxiste n'est le à sultan, le c'est le sultan, parce qu'il est l'imam, etc. etc. D'autres vont vous expliquer toute l'infrastructure. Alors, pour résumer, le marxiste c'est pas l'État, parce que l'État c'est une notion moderne, l'État c'est une notion moderne, State en anglais, les stade c'est quelque chose de stable. Le magazine, c'est quelque chose de temporel. Il change de main, il évolue, il rétrograde, il se tait, il réaccapare si bien, etc. Il se il il défend. Il se défend comme il peut. Alors que l'État, c'est une structure permanente. Le magasin, c'est une structure mouvante, ambivalente. La preuve, il change de capital, il change d'alliance, il change, il change, il change. Et toute l'ambiguïté du magasin vient de, de, vient de ce phénomène. C'est ce pour cela qu'il a marqué les Marocains euh, dans leur culture, dans leur langue. Chaque fois qu'ils sont indifférents et qu'ils se sentent faibles, ils disent Wosh ouais, le C'est-à-dire le machin. Ils ne disent pas le mahkama ou le qadi ou ou quelque chose comme Ils réclament le mahzin. Et quand euh, quelqu'un un gaffe pleinement en plein rue, -dire, il n'a pas peur, il a tous les pouvoirs, il dispose, etc. C'est un terme, disons même, pour résumer, très domestique qui nous appartient, disons même, il est très intime. Une fois on m'a demandé de résumer un peu la situation, j'ai dit que si jamais un jour on fait l'analyse de l'ADN du Marocain, on va découvrir qu'il a peur de deux choses la faim, je, et le marocain. Il y a une autre différence entre un État et le Mehrzin. Dans l'histoire, dans l'histoire telle que vous nous le racontez, euh, que ce soit les Alamohat, les Mérinides, les Saadiens, etc., on est dans un concept d'une entité qui. On parle de protection, on parle d'impôts, on parle. On parle très peu de ce qui aujourd'hui est un service public moderne, c'est-à-dire des services publics, je ne sais pas, de santé, d'école, ce qui est considéré comme la responsabilité de l'État. Le Mehrzin, dans son histoire, n'a jamais pris en charge ses fonctions. De temps en temps. Le Mehrzin, certains, certains sultan... Ou certains princes, ils ont essayé de voir un peu. Il y a probablement sort. Il a créé à la fois la nouvelle. C'est lui qui a reçu les Andalous, les philosophes, et les autres, les Ibn Tufa. Il a créé même une certaine élite, une sorte de brain trust ici à Marrakech. Les rues, les hôpitaux, les écoles, ils s'appellent du nom des philosophes et des médecins andalous. Ce n'est pas par hasard. Le Makhzin, il a toujours des difficultés jusqu'à se maintenir et se défendre. D'accord. À des moments donnés, c'est le cas par exemple de Mohamed ben Abdallah, il y avait une sorte de il y a une crise euh, disons alimentaire. Donc c'est pas on, on va dire la, la date c'est 1800. Oui, Mohamed ben Abdallah c'est 1757 jusqu'à 90. D'accord. Donc il est, est alimentaire. Il est mort quand il est informé que en France il y a la révolution. <laughs> Plus ou moins. <laughs> ce que fait alors que c'est un homme cultivé et ouvert, mais <laughs> il a quitté son monde. Son donc, donc, qu ce monde. C'est pas D'accord. Donc qu'est-ce qui lui arrive à Mohamed ben Abdallah Ce que fait il... c'est Mohamed ben Abdallah et donc il y avait la sécheresse, ce qui fait il y a peu de blé et de grains dans les souks. Et donc, les prix sont devenus vraiment surtout les villes. Les, les compagnies ne vendent plus leur blé. Les villes vont mourir de faim. Alors, il a pris une décision qui est probablement aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Ou Amar le Ahra, c'est-à-dire le stock. Le stock royal, le Mkhzania, pour l'alimentation du bétail, des chevaux, des esclaves et tout ça. Ou Amara il a cassé justement marché. le rythme du marché etc. D'autres ont construit des écoles, d'autres ont légué par la suite. D'autres ont légué pour les écoles, euh, ne serait-ce qu'ils ont même légué pour euh, l'El-Khotz, pour la Mecque et pour euh, d'autres mosquées, ce que fait, etc. Mais ce n'est pas le Mahézaï qui s'occupait de ça. L'État al-Mahadi et Merinid, ils avaient un programme scolaire plus ou moins, entre guillemets. Ils veulent former des les gens, élites. une élite selon leur doctrine, leur vision de la politique, de, de, de beaucoup de choses. Les Saadiens, au moment de l'apparition des Saïdiens, il y a le sophisme, c'est le début du Zaouya au Maroc. Et, et c'est eux qui l'ont c'est elles qui vont, euh, je sais pas, en français masculin, enfin, disons féminin. C'est elles qui vont s'occuper de, de beaucoup de choses de l'enseignement. Alors les gens, ils donnent en nature et qu'habso, Donc ils lèguent leurs biens en waqf, c'est-à-dire en bien de morte éternelle. Et c'est de là que vient la richesse du ministère aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, avons le waqf au nom de la culture, des lépreux, des malades, etc., etc. Tout ça est notifié dans le texte fondamental de l'Akhiré. Certains Zawiyas par la suite, sous sur la colonisation, on ne pas. Enfin, on ne voulait pas comprendre beaucoup de choses. Ici, il passait sous silence parce que c'est dans le texte fondamental, qui est le texte de 1912, c'est le texte du donc On doit respecter les biens de main morte. C'était texte top. Par la suite, les héritiers, des disciples de ces Zawiyah, des personnes, ont négocié avec le ministère, qui lui-même issu d'une des grandes Zawiyas du Maroc, l'Amkir Disons, Je ne dirais pas 50-50, mais il leur a laissé toute une part, et le ministère qu'il gérait a récupéré une part, et ça a donné la richesse des familles la richesse du ministère. Et les Zawiyas et c'est le premier latifondaire du, du Maroc, principalement. Ce qu'il fait, c'est. L'enseignement, c'était ça au départ. C'est comme ça qu'apparaît dans les textes, soit du Sous, du atlas la région que je connais mieux, que fait les gens avec un but bien précis. -dire, on ne donne pas gratis pour vous, que quelqu'un en dispose, mais pour une fonction quelconque, c'est-à-dire s'occuper justement de l'enseignement. Perpétrer la connaissance de l'islam, c'était ça l'essentiel. la Coran, la langue arabe, etc. Ce n'était pas les mathématiques et le reste, c'était justement la doctrine. Comment L'église du Moyen-Âge Oui, bien sûr. Il avait tout. Comment régit le marshmallow devant les épidémies, les problèmes de santé publique Non, mais est-ce qu'il gère ça Ou est-ce que, je parle du Moyen Âge, est-ce que c'est son problème Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la politique 2. Il n'y avait pas la politique 2. Il y avait quelques hôpitaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les hôpitaux, où on isolait les gens, on leur donnait la soupe même jusqu'aux années 30, 40 et même dans les années 50. Le Pacher de Marrakech s'occupait de beaucoup de ces choses. Il a hérité de toute une ville qui est pleine de pauvres, de lépreux, de gueux, etc. Il y a euh, est la soupe du Pacha qu'on distribue qu on distribue par-ci par-là dans les médina. Ah, mais dans la politique générale, ça n'existe pas. Ce n'est pas une politique. Parce que en islam, on vous donne un point, c'est tout. Mais on ne s'occupe pas de vous. On peut vous faire l'aumône, vous donner de l'argent. Ou des grains, de la laine ou quelque chose comme ça, des habiles, on mangeait, mais on ne va pas s'occuper. C'est l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, elle a généré toute une série de gens qui ont quitté, disons, les ordres euh, monastiques de l'Église. Ils ont créé d'autres ordres en dehors de l'Église. C'est les frères de Franciscains, etc., etc., dont on faisait les mères Teresa ou la sœur Emmanuel en Égypte. Ils font partie des ordres en dehors de l'Église, de la structure papale. C'est en dehors. Mais en islam, tu ne peux pas crier en dehors de la doctrine officielle. Tu peux, interdit, tu vas trouver énormément de textes comme ça. Tout passe par le circuit classique et traditionnel, qui est l'imama, donc l'amir le moumenin, et c'est lui qui délègue. Les Zaouya, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont formé peut-être des élites à un moment donné, Temgret en particulier. Il y a toute une élite du 17e, 18e, 19e qui était formée en plein drap, donc à la vallée du, du drap. D'autres qui étaient formés dans les Zawiyas du Sousse. C'est ce qu'il a devenu par la suite. Le Maktar d'autres euh, grands intellectuels étaient formés dans le cadre des Zawiyas. Euh, d'autres étaient formés dans les Zawiyas de Sousse. C'est les Zawiyas, ce n'est pas le, le Makhzin. C'est-à-dire, le les Zawiyas, c'est celle qui a le caractère typiquement religieux. Le Makhzin, il se coiffe de la religion, mais il est à 100%, disons 99%. Profane. C'est l'armée, c'est la violence, c'est l'impôt, c'est l'État. D'accord. Dernière question, si Mohamed. Aujourd'hui, euh, euh, le Merzin n'a pas d'existence juridique, on est d'accord. On a un État, c'est le Maroc. On n'a pas. Euh, le Merzin, c'est quelque chose qu'on a dans notre tête, qui existe comme vous l'avez très bien décrit. Mais comment se fait-il que, euh, après 60 ans, 70 ans, presque après l'indépendance, dans la tête des Marocains, l'État n'ait pas remplacé le Bon, Je crois qu'il l'a remplacé pleinement. Sauf qu'on parle toujours de l'Amlek al Makhzani au Maroc. Donc okay. on ne parle pas. Voilà, <laughs> ce qui existe, l'Amlek al Makhzani. On ne dit pas euh, l'Amlek al Makhzani, donc il, il est quelque part, il est caché. deuxième lieu, le mouvement national, la part du mouvement national qui a gagné plus ou moins la bataille, c'est les salafistes. C'est-à-dire le facile, Ils n'ont pas beau habiter dire l'Afriji et l'Ibn Barka, les modernes et Ce n'est pas les modernistes. Ce les traditionnels. C'est les traditionnels qui ont gagné. C'est eux qui allaient gérer le Maroc du début de l'indépendance. Quoique la plupart n'étaient pas au gouvernement, mais ils étaient le brain Trust. C'est eux qui pensaient. D'accord. Merci beaucoup, Simon mohamed C'était passionnant. Merci beaucoup. Le podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.